Poldevir, c'est ici qu'il faut tourner. Direction Orange. On se retrouve face à Soudine. À cet embranchement, à 4 km environ, c'est à droite, direction Torrent. 1 km après, Col des Fleuries. À gauche, direction Montpiton. Départ des Chêneviers. Continuez tout droit dans la campagne jusqu'à ce qu'on arrive au bout de la route où on trouve le parking. Au bout du parking, c'est tout droit. Direction Soudine. Direction Col de l'Enclave et Soudine. Large chemin forestier jusque là. Et on continue Soudine par l'Enclave. Par le Montieu, ça pourrait être le chemin de retour. Et le chemin forestier continue tout droit. On est presque arrivé au Col de l'Enclave. Et là, on va se diriger vers Soudine. C'est parti. Depuis le chemin forestier, la traversée jusqu'au sommet est très longue et très ventée aujourd'hui, il fait froid. La vue est extraordinaire de tous les côtés, Parmelan, Tournette, chaîne des Aravis, chaîne du Bargy, Mont Blanc tout au fond. On n'en voit jamais la fin. C'est long, c'est long. Jusqu'à ce que on arrive enfin. Vite, faut pas trop approcher du bord, il y a les monstres corniches. En bas on aperçoit surtout plus loin le Salève. Encore plus loin tout au bout, les monts du Jura. Je ne l'ai pas, ben je vais voir si je peux suivre les traces. Le passage est ici. Ça craint un peu, mais bon, ça a l'air de passer. On va bien voir. Allez, on y va doucement.
Je sais pas comment c'est plus bas, mais j'espère que c'est pas pire. J'ai pas envie de tout remonter. Bon, ça a l'air de passer. Allons-y calmement quand même. Alors, faut pas conseiller ça quand c'est gelé, hein. Ou alors avec des crampons et un piolet. Purée, sacré passage. Faut aimer l'aventure. Alors surtout ne pas faire, c'est très dangereux et puis faut pas glisser, il y a des barres. Hein. Et en bas, c'est les sapins. Et même ça sent le sapin. Alors surtout à éviter dans ces conditions-là. Hein. Là c'est mou, ça passe encore, mais bon, on sait jamais, les avalanches, ça peut partir quand même, hein, même si c'est déjà descendu en partie. Il faut vraiment avoir le pied montagnard pour passer là. En descendant tout droit, en tirant un peu à gauche, on rejoint un chemin forestier qu'il faut prendre dans le sens de la descente.
Et là, on va rejoindre le chemin de tout à l'heure pour monter. À cet endroit, continuez tout droit. Retour au chemin de montée qui est plus confortable, ça va moins enfoncer là. Eh ben, il n'y a plus qu'à descendre au parking, ça devrait être assez rapide.